Coucou tout le monde! On espère que vous allez bien. Nous sommes super contentes de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'aurez vu, aujourd'hui, ça sera un unboxing de la Birchbox, donc depuis peu de la Blissim. Alors, je l'ai reçue il y a déjà 2-3 jours, donc je vous avoue que on est très impatientes de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on passe tout de suite à l'ouverture de la box. Alors, elle est encore, vous voyez, dans son carton, donc elle n'est pas ouverte. Alors, de quoi? Vas-y, essaye, je sais pas si tu vas y arriver. Hein. Si ça marche? Ouais, ça va. Allez, impeccable. Comme on dit, c'est du efficace et vite fait, bien fait. Voilà. Alors, oh, elle est jolie. Ah, donc là, déjà, on a une petite idée du thème. On dirait les cabines de plage, un peu, non, le thème? Mais de ouf, ça fait un peu là. Ouais, ça fait marrant, non? Bon, vas-y. Alors, ça c'est la boîte. Hein. C'est beaucoup de couleurs. Hein. Je sais pas si c'est le thème genre France ou enfin genre produit français ou thème marin, je sais pas trop. Qu'est-ce qui marque? Attends. Cocoricool. Ah, donc à mon avis c'est la France, Cocoricool, parce que hein, le coq c'est l'emblème de la France. Je pense que c'est les produits français. Ils marquent donc 100% sélection green. On va pas se spoiler. On va d'abord regarder les produits. Alors, tu sais ça? Il y en a plus de ta fiche. Non, bah, te spoil. On regarde pas. On n'a pas vu. Alors, qu'est-ce que c'est? Shampoing nourrissant et réveillance. Alors, c'est un shampoing nourrissant irrévérence. Donc, c'est bio. Voilà. Donc c'est la marque Terre de Mars, maison de cosmétiques naturels aux extraits de café, aloe vera et protéines d'amande. Donc régénère, hydrate et répare. Bon bah ça peut être une belle découverte. Hein. On l'essaiera. Donc elle m'a dit en plus. Le shampoing c'est toujours sympa à essayer. Moi j'aime bien essayer les nouveaux shampoings. Ok, un shampoing ensuite. The real thing. Mon accent américain est parfait. Alors respirez. Donc on the wild side, de l'huile démaquillante aux plantes sauvages, oh, bio et naturelles. Ça c'est pour toi. Hein. Je kiffe. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh ben, rien du tout. Après c'est les ingrédients, mais c'est comme d'habitude, donc c'est un produit éco-cert et un produit made in France. Voilà, donc c'est un petit flacon pompe comme ça. On va tester. Hein. Non mais c'est une huile de démaquillage, j'ai peur que ça soit gras, non? Tu veux sentir? Bah. Vous avez à l'intérieur, j'essaie de vous trouver, vous avez 15 ml à l'intérieur du flacon. C'est pas si gras en fait. Hein. Ah, ouais. Si. Je pense que c'est pas un full size, c'est pas un format full size, hein. Ça doit être un... Enfin je sais pas, on verra dans le livret après, mais je pense pas que ça soit du full size. Ok, pourquoi pas, une huile démaquillante après. On le dit ça, non? Fais voir. Argile rose. Non, alors on en a à l'argile, mais c'est pas la même marque. Argilex Laboratoire. Masque à l'argile rose, peau sensible et réactive. 100% argile naturelle. Donc vous avez 30 grammes. Et est-ce que c'est un produit français aussi? On va vérifier puisque ça a l'air d'être le thème Made in France. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est une box 100% Made in France. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Bon, bah voilà, c'est un masque 100% argile rose. Donc 100% naturel, garantie séché au soleil, sans conservateur, sans ionisation. Voilà, bon bah c'est pas mal, hein. c'est un petit contenant aussi, vous voyez, à côté de la taille de ma main. Je pense que vous avez de quoi faire 3-4 masques, quoi. Mais c'est pourquoi pas. Après, un mascara. Ah, je connais, c'est quoi? Un mascara. Ah, mais je regardais la marque. Pomponne, je connais pas. Attends, je vous montre. C'est grave, bon. Mais grave, bon, jaune, c'est très... Ouais. Pomponne, make-up, soin green. C'est made in France aussi, hein. Ouais, le mascara, t'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est marqué derrière, je vous jure. Ah bon? Ouais. Je sais pas si vous allez voir. Là. Mais c'est pas la mise à point. Bah non. Non, non, ça le fera pas, chouchou. Bon, il y a marqué t'as de beaux yeux, tu sais, derrière. Donc ça fait une petite touche d'humour plutôt sympa. On la brosse. Vas-y. Ouais, c'était une brosse à tout petit picot. Tu... Vous voyez? Angie. Ah, oh, c'est trop bien. De quoi? Il est trop bien. Ouais, il a l'air sympa.
Ça, c'est super pratique, ce genre de brosse à petit picot, je trouve, pour les cils du bas. Parce que moi, j'adore les mascaras à grosse brosse. Donc, pour le donner du volume et de la longueur en haut, c'est très bien. Mais pour en bas, on a tendance à s'en foutre un peu partout. Donc, bon, ça peut être sympa. Soin green, vegan, éco-responsable et made in France. Bon, très bien. Mais écoutez, à essayer. On vous dira ce que ça donne. Je mettrai un update en barre d'infos quand on l'aura essayé. Mais ça a l'air sympa. Et ensuite Ben non. Non, je rigole. Merci. Oh là, c'est tout petit, ça. La taille du sérum. Ça hey, on est vraiment sur de la dose d'aisselle, hein. Mais attends, fais voir ce que le produit. Le sérum visage anti-âge. Organique anti. Oui, bah après, c'est en anglais. Donc, c'est un sérum anti-âge, concentré jeunesse. Vous avez 5 ml. Made in France. Voilà, par contre, c'est vegan. Donc, ça, c'est super bien. Donc, ça veut dire que c'est non testé sur les animaux. Non. Ça, moi, je suis totalement fan de ce genre de produit. Bio-organique. Puis voilà, c'est parfait. Made in France. C'est de la marque Huggins. Alors, je ne sais pas comment ça se dit. Huggins Paris. J'ai essayé de vous montrer la marque. Voilà, c'est Huggins. Je ne sais pas trop comment ça se dit, mais j'ai déjà entendu cette marque-là. Bon, c'est bien pour essayer. À la limite, c'est une espèce de dose d'essai. Mais du coup, ça fait là 1, 2, 3, 4 produits. Et là, oh, quand même, un tout petit. Tu vois ? Oh, pourquoi ça pue ? Non ! Bah non, moi je trouve que ça sent vraiment le produit sans produit chimique. Donc ça sent le produit brut. Et à mon avis, il ne doit pas y avoir de parfum. Mais voire. C'est quoi ? Fais voir. Bah non, mais c'est des bulles ça. Mais non ! C'est dur ? Non, c'est. Ah bah c'est peut-être des. Je sais pas. Peut-être des petites billes. Regarde. C'est un concentré anti-âge, donc ça doit être des petites billes. Donc vas-y, montre. C'est un flacon. En plus, c'est pour un petit format comme ça. C'est bien parce que c'est un petit flacon pipette. Oui. Donc je trouve ça super pratique. Bon, bah on va regarder le livre. Alors déjà, il nous marque. Alors vous avez cette fiche-là déjà, pour nous parler du mascara. Futur best-seller en vue. Oubliez tout ce que vous connaissez des mascaras. Pomponne l'a réinventé. Découvrez dans votre box le premier mascara naturel, clean, vegan, à la formule qui chouchoute les cils. Sa formule qui se distingue des mascaras classiques, légère et mat, elle est synonyme d'un rendu ultra naturel. Bon, moi je suis pas fan des rendus très très naturels, mais bon, pourquoi pas. Et puis c'est tout ce qu'ils disent. Pour un résultat intense, n'hésitez pas à replonger la brosse dans le tube et faire un deuxième passage. Bon, comme avec tous les mascaras. Ok, et ensuite on a notre petit livret. Angie se maquille en caméra, elle. Elle fait comme chez elle, hein. C'est un petit make-up entre filles. Allez-y, non, prenez votre maquillage, maquillez-vous. Et regarde. Ah oui, il est sympa. Super joli. Il est où le petit livre, chouchou ? Je te l'ai donné, chouchou. Ah bon ? Bah, je sais pas où il est. Je sais pas ce qu'on en a fait. On a perdu. Ah, on a perdu le petit livre. Il est dans la boîte, non ? Et là-bas, elle était là. Bah écoutez, on a perdu le livre. Disparu. On a fait de la magie. Oui. Bah alors ? Ah bah il est là. Il était collé à la box. Vous l'aviez vu, je suis sûre, derrière moi. Vous étiez en train de rigoler, non ? Il est là. Alors, je vais regarder au niveau des prix des produits. Alors, au niveau du shampoing nourrissant, donc nous on l'a eu en miniature 50 ml. Le format vente est en 150 ml. Donc, on a un tiers de produit comparé au full size. Et donc, le produit est normalement en full size à 16 €. Donc, c'est un produit qui nous revient, en tout cas en valeur de box, à peu près à 5 €. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le sérum Huggins. Ah ouais, il est quand même pas donné. Le format vente, il est en 30 ml. Il est à 41,65. Et donc là, on a un... non, attendez, je vous dis des bêtises. Oui, si, le format vente est en 30 ml. Et donc, il coûte 41,65 €. Je crois que c'est ça que je vous avais dit. On a donc, nous, 5 ml. Bon, alors là, on va se lancer dans des calculs mathématiques, n'est-ce pas ? Donc, on a un sixième hein, du format. Donc, un sixième de 40 €. Sortez les calculatrices. Vous avez 5 minutes. À la louche, hein. Comme ça, on va dire que ça revient entre 6 et 7 euros. Dites-moi en commentaire si c'est à peu près ça. Mais on doit être entre 6 et 7 euros, je pense. La box. Non, pour la valeur marchande du petit sérum, en fait, de 5 ml. Ok, alors un sérum aux super ingrédients comme vous n'en avez jamais vu. Ce booster de jeunesse renouvelle chaque cellule de la peau pour lui redonner élasticité et souplesse. Un puissant cocktail d'acide hyaluronique et de pourquoi ils ont toujours des noms chiants. De resveratrol pour l'efficacité anti-âge.
de l'eau de rose bio et de l'aloe vera pour stimuler la microcirculation et tonifier la peau. Voilà, le plus, il ralentit l'apparence des signes de l'âge. Alors c'est parfait, nous allons rester jeunes éternellement, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien, ensuite l'huile démaquillante. Alors, nous avons eu 15 ml. Le format vente est en 100 ml et il coûte 30 euros. Donc pour une huile de démaquillage, c'est quand même pas donné. Donc nous avons eu, bon voilà, niveau calcul, honnêtement, 15 ml, 100 ml, on a eu un sixième, gros, à peu près. Bon, ça nous fait un prix de revient, je pense, aux alentours des 5 euros. C'est nul. Non, mais ça nous fait déjà 5, 5, 10, on est à... On doit être à 17 euros à peu près pour l'instant. Entre 15 et 17 euros de prix de revient. Nous avons ensuite le masque à l'argile que nous avons eu en 30 grammes. Il est en format vente en 100 grammes et c'est vraiment pas cher. Donc là, en prix de revient, on est quasiment à zéro. Puisque le 100 grammes, déjà, le grand format, coûte 4,24 euros. On sait que l'argile, c'est pas très très cher. Donc là, bon bah en 30 grammes, on doit être à 1,50 euros de revient. Bon, ouais, ça fait un petit masque à l'argile, c'est pas mal. Ouais. Le mascara, donc là, bien sûr, c'est en full size. Ah, et là, par contre, c'est pas mal. Parce que quand même, c'est un mascara qui coûte normalement en prix public 29 euros. Voilà. Et si vous êtes abonné, vous pouvez l'acheter sur le site Blissim, Birchbox, à 24,65. Ok. Mais si vous êtes abonné. Bon, bah ça fait, comme d'habitude, un prix de revient aux alentours des 40-45 euros pour la box. Donc on reste sur des... Enfin, c'est quand même plutôt rentable, je trouve. Et puis c'est des produits qu'on va quasiment tous utiliser. Mmh. Ouais, on va essayer le mascara, l'huile de démaquillage, Angie, c'est sûr qu'elle va l'essayer parce qu'elle adore ça. Ah, ce soir. Moi, j'adore les sérums. Hein. Voilà. Donc, je vous mets l'unboxing de la première box juste ici. Il m'avait aussi offert un sérum en tirage en cadeau. Et d'ailleurs, il est génial. Et depuis, je l'utilise tous les jours. Donc je suis assez contente. Et je suis quand même vachement pressée d'utiliser celui-là. Vous voyez, j'ai gagné 20 ans, non? Non, évidemment que non, mais c'est un très très bon sérum. Et du coup, je suis pressée d'utiliser celui-ci. Voilà, puis on essaiera le shampoing et... Voilà. Bah écoutez, on espère que cet unboxing vous a plu. Alors bien sûr, ça vous spoil un peu le contenu. Donc je le mettrai bien sûr dans le titre pour pas que vous fassiez avoir. Mais c'est toujours intéressant, si vous souhaitez vous abonner par la suite, de voir le contenu des box précédentes. Je vous mets comme d'habitude le lien du site juste en dessous de la vidéo et mon lien de parrainage parce que ça vous fait gagner, je crois, de mémoire 10 euros sur le site de Birchbox. Voilà. Voilà. Et bien sur ce, on va vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais avant de partir, abonnez-vous et c'est obligatoire. N'oubliez pas de vous abonner sous la vidéo parce que ça coûte rien et nous ça nous fait vraiment super plaisir de savoir que ce qu'on fait vous plaît et que voilà, vous suivez nos aventures. Si la vidéo vous a plu, de nous mettre un pouce bleu. Ah, c'est vrai. Oui, bah oui. Bah oui. Et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de la Birchbox, si vous l'avez vous-même essayé ou si pourquoi pas vous comptez vous abonner. Voilà, et ben écoutez, on vous dit à très vite et on vous fait de gros bisous. Gros bisous. Ciao. Bisous. Smoking outside, trying to get your attention.